Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Je suis actuellement éclatax du cul. Je m'endors debout, assise et mes couchées aussi, je crois. Mais on va essayer de tenir jusqu'à la fin de cette rediff, hein, donc de ce live pour moi et rediff pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer la dernière étape, un peu quand même, ou presque. Ah, c'est pas vraiment la dernière génération, je crois, hein, mais bon, on s'en fout. Dans l'idée, c'est la dernière génération dans laquelle on aura des objectifs à atteindre, puisque le premier bébé de la génération bleue va débarquer sa mère aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable. Parce qu'il me semble qu'avec la génération bleue, on doit aussi faire des gosses. On n'en finira donc jamais. Il faut que j'arrête les challenges longs, hein, dit-elle, alors qu'elle en a écrit un qui peut être archi long. Qu'est-ce qu'on se marre. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous allons retrouver nos petits Simus. Comment il s'appelle déjà lui? Mathias. Ah oui, c'est vrai, on l'avait renommé. Mathias qui a une folle envie de pisser. Bah vas-y Jean-Guy. Non, alors déjà arrête avec ta neige à la con. J'ai dit non. Ah, c'est un grand enfant encore dans son âme. Rappelez-vous qu'on l'a fait vieillir plus vite. Sinon, il a été encore adolescent, mais donc, bah voilà. Hein. Résultat, il est pas fini celui-là. Merde, j'ai un truc dans un œil. Il s'appelle sûrement un œil. Là, non, McDo c'est bien, mais une miniature d'Elise qui joue la Macarena c'est mieux. Oh la vache! Effectivement. Je propose un seul ou deux gamins, on verra. Un seul c'est bien. Bah si c'est un garçon, on sera obligé de continuer jusqu'à temps qu'il y ait une fille. C'est comme ça que ça marche. Vous savez que moi, la génération verte et bleue, c'est une fille en héritier. Moi, je ne transgiverge pas. Au pire, on tuera les autres, si c'est des garçons. Mais non, Marcelousque. C'est parce qu'on a dit qu'il fallait être... Mais elle a combien, elle, déjà? Ah, on a encore le temps. Parce que pour qu'on soit kiff-kiff bourricot. On a déjà eu 5 garçons. Ça suffit. Maintenant, on place aux meufs. Hein. Comme eux-mêmes. Alors, on veut de la moule, nous. Et salut, Bacara, comment vas-tu? Et si c'est des triplés garçons? Eh ben, on les perd un à un dans la forêt. Les miettes de pain, on se les garde pour les pigeons. Pourquoi triplé? Mais vous avez jamais arrêté. Il n'y a pas tant de triplés que ça dans la vie. Il ressemblerait à ça en plus, à tes 3 kappas là. Ben non, ça donne pas envie. Ah. Allez, la vulgarité, ça suffit. Shirley, qu'est-ce qu'on n'aime pas celle-là? Elle est sale. Elle est sale. La 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 la. Qu'est-ce que... Alors toi, ben toi t'as faim. Toi t'as faim. Par contre, bonjour la poufringue. Qu'est-ce que tu vas faire à manger? Tu vas servir le petit déj, des salades de fruits. Joli, joli, joli. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on se marie. Je vous rappelle que pom-pom d'Api... Pour l'instant, et seulement niveau 3, donc on a largement le temps d'arriver au niveau 10. On devrait avoir une promotion quand même. Hein. On devrait avoir la promotion aujourd'hui. Et lui, il n'a pas de boulot, ce feignant. Hein. Vit à la plage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on en fait du Mathias, là? C'est un homme de ménage, il sera homme au foyer. Après, tu passeras à l'aspirateur, Jean-Guy. Hein. Je le dis, moi. Est-ce que tu me... J'ai pas vu qu'il déjeunait de la salade au lieu de manger. Enfin, au lieu de... Oh, bref. J'ai cru qu'elle était en train de gerber. J'ai entendu un... Et puis un truc qui faisait... J'ai cru qu'elle était en train de vomir dans... Vomir dans le bol. C'est dégueulasse. J'ai déjà eu des... Dans les Sims, c'est ressemblé à... Oh la vache. Un drôle de truc, hein. Ah, merci Jean-Guy, c'est propre maintenant. Merci de ta participation. Salut Mamie Oda, comment vas-tu? Salut Buenda, comment tu vas? Moi je suis explosée.
Je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de mal là. Je loupe mon réveil. J'ai beaucoup de mal. Bon, bah, elle va taffer. Oh la vache. Regardez-moi ça. Ce bide. Allez, bonne journée à toi, ma petite pom-pom. Travaille bien. Oui, elle travaille dur. Elle travaille très dur. Comme ma bite. Oh, fallait que je la mette au moins une fois. Au moins une fois. Ah oui, c'est vrai, je lui fais faire le ménage. Mais il n'y a pas besoin, on a un homme de ménage. C'est vrai qu'on est riche. J'avais oublié ça aussi. Vous savez, hein, une semaine, j'oublie tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je reviendrai dans une autre semaine? Non, j'ai entendu des boum-boum, je croyais que c'était à ma porte, mais pas du tout. Ah, putain, pardon. Et regardez YouTube. J'ai mon rat domestiqué qui est là derrière. Et qui fait dodo. Voilà. Il remue, hein, l'animal. Crossing. Bon, vas-y, on a de la thune, on va réparer comme ça. Et tu vas venir aspirer également. Dans notre toute petite maison. On pourra préparer la chambre de futur bébé que je pense mettre là. Enfin, je pense que bébé va être dans le couloir et bambins ils seront là. Parce que j'ai quand même grave la flemme, hein, de... Tu vois ce que je veux dire. Hello tout le monde. Hello. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Oh, moi bah écoute, ça va. Je suis en plein montage vidéo. C'est intéressant ça. Comment vas-tu Alex? Alors nous allons mettre bleu. Parce que bah... T'es la génération bleue tabarnak. Avec du parquet bleu. Ça réfléchit. Mets celui-là. Ouais, non, mais... Allez! Putain, mais le jeu est complètement pété. Vous avez vu le nombre de fois qu'il faut que je clique? C'est bleu. C'est très bleu. Hein. Beaucoup trop bleu. C'est bleu du chlu. Puisque, ben, aujourd'hui, voilà quoi. Hein, aujourd'hui, nous allons parler du bleu. Le bleu, pour ou contre? Et quand vous allez bien, vous avez le bleu, vous aussi? Le bleu? Le bleu du bleu? Le bleu bleu? Bleu? Bleu bleu? Ta gueule, Charlie. Juste. Ta gueule. C'est moche! Ah là 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 là, c'est moche. Allez, ouais, allez, allez, on y va dans le mauvais goût. Allons-y dans le mauvais goût. Hein. J'ai envie de te dire. Le mauvais goût est là. Il nous tend les mains. Allons-y, allons-y. Ah, oui, parce que j'ai trié par bleu. Il n'y a que ça? Oh là là, c'est de pire en pire. Hein. Bah, c'est jaune, hein. Bleu et jaune. Pff, ouais, ça fera un peu de couleur. Voilà. Un tapis. Je sais, il sera pas bambin tout de suite. Vous ne m'apprenez rien. Je pense que c'est pas mon premier enfant de dans les Sims. Je crois, mais je suis pas sûre. C'est bien, ça ajoute un peu de luminosité.
Salut Ninja, comment vas-tu? Comment ça se fait que tu as autant de simflouz? J'ai pas encore su ce challenge, ouais, on a gagné au loto. Avec ce foyer. Comme ça. Il y avait aucune raison qu'on gagne, hein, mais on a gagné. Écoute, c'est comme ça, hein, ça arrive. Je n'ai point refusé l'argent. Je le concède. C'était une faute, mais... Si cette faute existe, c'est la mienne. Un popo bleu. Oui, je suis déjà en train de faire la chambre du bambin. Oui. Un petit coin-coin, parce que quand même, bleu. Et parce que le coin-coin bleu, c'est quand même plus chaleureux. Petit clin d'œil à Marcelux avec ce petit truc là. Quoi ? Ouais, j'ai pas mis Bibi Move Objects, ça se voit pas du tout. Là, voilà, il va se mettre là. Il va être là celui-là. Ça. Et je voulais mettre de la lumière. Aziz, lumière. Lumière pour un fond. Je sais, c'est les moments chiants du live, hein, je vous ai prévenu. Ah, des petites loupiottes comme ça, c'est choupette. Est-ce que c'est chiant ce bébé move objects quand même? Enfin, ce. Oui, si vous le faites pas, c'est vous êtes limité. Hein. Et on peut rien mettre dans... sans le bébé. Ouais, j'ai la flemme de le mettre en fait. J'ai la grosse flemmasse. Ça me rappelle autre chose. Bon, écoutez, ça fait de la lumière, hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de lumière que ça? C'est une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce. Et heureusement que c'était que le pouce. Je le suçais. En m'endormant. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. N'est pas me dire des trucs, moi c'est peut-être pas les bonnes paroles, certes. C'est sûrement pas les bonnes paroles, non. Là. Voilà. Et on va mettre un berceau. Berco. C'est quoi déjà le truc pour les bébés? Ça. T'as pas en bleu. Celui que je préfère, moi, celui-là, il est moche. On a que 3 trucs pour les bébés. Bon, tant pis, hein, je vais réutiliser le mien, hein, puis en blanc. En blanc, ça marche toujours, hein, ça fait toujours son petit effet. Bah regardez, on va le parquer là, le gamin. C'est très bien. Hop, ça y gênera pas. Voilà, bébé, on est prêt à t'accueillir dans cette petite demeure. Bébé blou. Salut Samono, comment vas-tu? Coucou Benaïs. Punaise, j'ai vraiment pas de chance du coup. Eh mais non, mais ça, c'est, tu sais, j'ai gagné que 2 fois et c'était en live. C'était avec notre Soberry et avec le Legacy. Ah, genre à 1 ou 2 semaines d'intervalle de jeu, je crois, j'ai gagné les 2 fois. Tu peux faire une chance sur le thème de la mer avec le jaune et du bleu. Ah, pardon Ludivine, je ne vois que maintenant. Les rideaux sont pas bleus, certes. Ils étaient bleus, mais je trouvais que ça faisait trop. Donc j'atténue un petit peu. Formation supplémentaire. Faire la formation, on offre cette opportunité à un collègue. Alex! Qu'est-ce que t'as écrit?
tu penses que je vais valider ce que t'as écrit? Comme même. Salut Kitty, comment vas-tu? Ou Livre la veilleuse. Tout à fait, Ludivine. Modification des couleurs à ce que je vois. Bah, c'était la chambre des vieux pêches. Maintenant qu'elles sont pourries, les pêches, bah, on va faire la mer, enfin le bleu. C'est très vite pour les mioches, mais on s'en fout, ils sont pas encore là. On s'en fout, je joue pas avec. Non, c'est pas vrai. Non, mais en général, je vais pas mettre trop de détails, parce qu'après, c'est joli, mais c'est pas pratique, ça sert à rien. Elle était bonne, ta douche. Ouais, c'était hier soir, ça. Si vous voulez, je vous emmène après, avec moi. Non, il vaut mieux pas. Ces deux couleurs, waouh. C'est quoi ce mec dans la maison? Qui ça? C'est un homme de ménage? C'est pas ça? Salut, Adrolès, comment vas-tu? Je suis tellement laid, je me suis pas rendu compte qu'on était mercredi, je suis clou au lit, malade. Oh merde! Soigne-toi bien. Alors, on fait la formation. On fait la formation. Formation, formation, on se forme, formation. On fait tous la formation. Très bien, nous faisons gain de performance moyen. Tu parles de qui? De lui? Mais lui, c'est l'amoureux de Pom Pom. Ça va être le futur papa. Sinon, ben, l'autre bonhomme, c'était l'homme de ménage qui est reparti. Lui, là, il est très vénère, d'ailleurs. Il est pas content. Il a pris un coup de vieux avec sa belle moustache. T'as pas été augmenté, t'es pas content. Non, mais... C'est triste, la vie. Et ça, ça doit être sa mère, je crois. C'est pas Katy Perry, c'est Katy Petit. Non, ce que je veux dire, c'est que niveau objet, dans le mode construction, il n'y a pas grand chose pour les gosses. Ah bah non. Ah, ça sent bon. Heureusement que j'ai passé l'aspirateur, dis donc. En Fortnite, je m'en fous, là, de ta pub. Bah ok, écoutez. Que dire, que faire? On a commencé à faire la... Préparer la venue de bébé numéro 1. Qu'est-ce qu'elle aime comme musique, ta mère? Parce que t'as vécu avec elle, mais apparemment pas assez longtemps pour savoir. Cette moustache du plus bel effet, mais tout à fait. Apparemment, on a une nouvelle barbe. Mais genre une barbe qui a pas de moustache. Je suis pas sûre de moi, mais j'ai vu ça sur Twitter, je fais... C'est pas beau. Avec la mise à jour du spa. Salut Marine, comment vas-tu? Il a rangé le jouet canard dans le coffre. Ah oui, ça m'étonne pas. Il y a 40 000 jouets! Il y a de quoi faire. Quelle magnifique bague œil! Je suis jalouse, moi, de voir tous ces Sims avec le bague œil. Moi aussi, je la veux. Salut, c'est Choxy, comment vas-tu? Une barbe sans moustache. Mais oui, il me semble que j'ai vu ça. Je kiffe trop qu'ils revoient être parents comme ils ont vu des tantes au spa. Pourquoi? Tu voudrais avoir quoi d'autre? Tu voudrais que les gamins soient encore plus chiants? Salut Pleurnicheur, comment tu vas? Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une note Sauberry. Mercredi, c'est notre Sauberry. Nous avons notre héritière verte, de la génération verte, qui s'appelle Pom Pom. Et ça, c'est son chéri. Pour l'instant, ils sont pas mariés. Mais voilà. Donc ben on attend l'arrivée du bébé bientôt. Alors tu vois là, il va atterrir là et puis après ce sera sa chambre. Et parce que c'est la génération bleue après la génération verte. Voilà. Parce que le Nutsberry est une sorte de legacy sur 10 générations, chaque génération porte une couleur et a des objectifs précis avec une couleur précise. Comme en témoignent nos prédécesseurs, hein, nos héritiers heureuses qui sont tous là dans des cadres souvenirs puisqu'ils sont tous morts. Et oui, ils ont tous fini par mourir de vieillesse horrible et grabataire à se chier dessus, quoi. Ça, c'est Toya, c'est le papa de Pom Pom. Et lui aussi, il est mort. Mais lui, c'est bien, parce que comme ça, il arrêtera de piéger les chiottes. En vrai, c'est pas mal. Je voudrais plus de trucs comme dans les Sims 3 Génération, c'est trop bien. Effectivement, je suis confiant pour la barbe. Ah, tu l'as vu, alors? Ça va pas l'air GG, hein.
Enfin, bon, je sais pas, ça a l'air bizarre. Ah, mais c'est un grand débat, les bébés. Oui, Luc, vas-y, on est au boulot, mais... Enfin, je suis au boulot, mais... Elle est au boulot, quoi. Voilà. Bon, normalement, promotion canapé. Non, tu vas pas boire. Ah, tu m'énerves. Bon, bah lui, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie? Pas grand-chose. Il y a sa mère, il s'en fout, il discute même pas avec. Genre, il est tellement content d'être parti que quand il la voit... Oh, elle est triste. Pourquoi t'es triste, Germaine? C'était de vœux obtenu Sims Casanière. Bah, sachant qu'elle est déjà pas chez elle à cette heure-ci, donc ouais, t'as raison. J'ai les yeux qui piquent. C'est la fatigue. C'est vrai, ça se voit qu'ils ont cut la moustache. Je sais pas comment expliquer. Elle a été faite rapidement. Je pense que l'idée est avoir une nouvelle mère. Oui, parce que t'as un espèce de truc qui remonte comme ça. C'est assez bizarre. Je suis pas très. Vous avez l'air sympathique, mais t'es sa mère. Je veux pas être. C'est sa mère. Parent passif. Joyeuse, malveillante, jalouse. Eh ben. Et les babysitters ? En étant malveillante ? Tu me dirais, il y en a qui stream. Hein. Un pain pour les derniers tableaux. Les derniers tableaux ? Comment ça, les derniers tableaux ? Tu vas y prendre un Mathias, un travail. Oui, je sais pas justement. Bah, il va être papa. Il va être à s'occuper des gamins de quand ils seront arrivés, les gamins. Ce sera pas mal non plus. Ou juste attendre que Germaine, elle rentre. Termine à 19h, hein, oui. Bah, écoute, fais. Non. Ils savent pas quoi faire. Il faut qu'ils. Qu'il fasse n'importe quoi. Je suis obligée de le surveiller. Oh. Lui, comme ça, il a regardé Game of Thrones pour avoir autant d'émotions. Joyeuse, malveillante, jalouse. Elle serait pas bipolaire. Qui sait? Il se fait chier d'attendre la femme de sa vie. J'ai eu peur. Attention! Promotion, pas promotion? Promotion canapé! Ouais. Oui! Promotion pour... Oh là là, regardez-moi, elle est heureuse de vivre. Elle est magnifique. Pomme d'api. Elle est happy, pomme d'api. Yo. Salut Marie, comment vas-tu? Salut Anne, comment tu vas? Il devrait travailler, ça lui passerait de temps. Bon, mais il va s'occuper des gosses. C'est bien aussi. Elle a été promue au poste ingénieur hors pair. Elle gagnera désormais 16 simflous de plus par heure, soit 63 simflous de l'heure au total. Également reçu en bonus 633 simflous et l'horloge, la sentinelle. Oui, ben c'est cool. Voilà, ça fait un niveau 4. On a encore du taf, hein. Ok, programmation machin. Donc ce qu'elle va faire, c'est créer un jeu vidéo ou une application. Si elle va bien. Je vais bien, c'est Juvamine. Tiens, tu vas bouffer. T'iras pisser, parce que comme t'es enceinte, ça toi. Hein. Et après, on la fera travailler sur l'ordi. Non, Pauline, je préfère que tu passes, que nous on passe, mais on n'a pas le temps. On a une carrière à mener, une aspiration, un but dans la vie, tu vois. Oui, il a passé l'aspirateur, on est content, ça sent bon, le parquet. Embrasser tendrement. Moi chérie, quand est-ce que tu accouches? Quand est-ce que tu mets bas à notre veau? Tu sais bien que je n'attends que ça pour salut, avoir une abus dans ma vie. Et merci Marie. Oh, badish. Mais il t'a pas demandé un truc sur les habitants d'Enford on Begley? Il t'a demandé quand est-ce que t'as couché, gourdasse, va.
gourdissasse. Oh, j'aurais dû mettre des rideaux quand même là. Ça fait un peu froid. Un petit peu. Salut Kyopoté, comment vas-tu? On fait lui les nouvelles aspirations. Oula, on fait lui. Oh putain, mais moi je sais plus. Ah oh la vache. Pff, je sais plus lire, moi. Il n'y a plus rien qui connecte hein, là-dedans. Oh, laisse tomber. Alors, tu vas programmation. Programmer. Lui, il va encore me boire un verre de je sais pas quoi, ça va m'énerver. Créer une application. Ah bah voilà, plein. Tu as créé une application. Toi, tu lâches ça. Tu m'énerves. Il me saoule, hein. Et franchement, ils me saoulent tous avec leurs boissons. J'enlève les éviers, ils continuent à trouver des boissons dans le frigo. Genre, dans le frigo, il y a des boissons de picot. Merci beaucoup, Marie. Pour ton réabonnement, 18 mois. C'est incroyable. Merci beaucoup. Pour le soutif, évidemment, et Smiley Boule. 18 mois. Je deviens grande et l'orage gronde dehors. Maman, j'ai peur. Visage effrayé, visage effrayé, visage effrayé, visage effrayé. C'est marrant, mais depuis ce matin, j'ai reçu des messages et tout, genre ouais, violence, orage, machin. Sur Pokémon Go, ils disent attention, orage. Je me dis, mais où? Et là, moi, j'ai rien du tout. Hein. J'ai que chi, Germaine. Tiens, tu vas dessiner un ange dans la neige. Faire un bonhomme de neige. Vas-y, amuse-toi comme un grand gamin que tu es. On dit, quel est le boss? Parce qu'elle doit créer une application pour son aspiration. Donc, jeu vidéo ou application. Application mobile, je pense que ça passe. Hein. Donc, on va la laisser travailler tranquillement. Traduction lui fait faire une nouvelle aspiration. Je suis désolée de traduire, mais j'ai aussi galéré. Hein? Non, mais j'avais compris. Ah, c'est le soir ou la nuit? Ici, orage violent ce matin. Ah ouais, mais toi, t'as comme t'es de l'autre côté de la planète, forcément, le temps que ça arrive chez nous. Hein. Il est chez toi, bah il va arriver chez moi après. Hein. Ah d'accord, rien dans le nord, il fait trop chaud. Mets-toi nu, Somono, vas-y. Mets-toi voilaise. Hein. J'espère qu'il fait beau chez vous, YouTube. Alors que vous regardez l'heure, alors que vous regardez ça. Eh ben moi, je suis partie pour les vacances. Prendre une semaine de flotte dans la gueule. Tout nu et tout bronzé. Qu'on est bien quand on a quand on vient l'été. Qu'est-ce qu'on fait? Paix intérieure gourou zen. Spécialiste des soins pour soi. Gagner des signes philosophiques. La nature a été régulièrement spa. C'est chiant parce qu'il faut se déplacer. Pas. Vous voulez qu'on fasse laquelle? Il y a YouTube, le YouTube. En oui, en rediff, oui, Kyopoti. Une grosse punaise toute verte vient de tomber dessus. Hé hey caca. C'est ça, c'est la terrasse. Ça attire les bestioles. Pas d'orage de pluie, mais une chaleur intenable. Mais mettez-vous nu, vous pouvez. Vous êtes pas, vous avez pas de caméra braquée sur vous. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hein, Titi? Maman, chaton d'amour. Regardez, j'ai le rat qui est toujours là en train de dormir. Maman, chaton. Mmh. Mon petit bébé. Tu veux pas faire un petit coucou, chaton? Viens, mon bébé. Oui, je sais. Oui. Vas-y, viens faire un câlin. Coucou. Oui, forcément, j'ai un peu forcé pour l'avoir. Coucou. C'est mon titoun. Salut. Avec Jenny qui est réveillée derrière. On voit pas sa tête. Agent 21, Titi Coin Coin, 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 agent 21, Titi Coin Coin. Regardez ma beauté. Coucou.
la tronche. Tu fais pas très beauté là, mon chaton. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Si tu marches sur le clavier, tu vas marcher n'importe où, mon chat. Tu peux rester là si tu veux. Ouais, tu peux, mais oui, tu peux, mon bébé. Bah, vous voyez pas, mais il est sur le bureau. Alors, vous avez... j'avais pas vu, un sondage a été lancé. N'hésitez pas à répondre pour savoir quoi faire. Mon main, il marche toujours pas, donc il est cassé. Regardez mon titoun. Oh, mon bébé. Regarde comme ça, mon bébé. Oui, ta petite poule. Coucou. Oh oui. Regardez, je suis un beau gosse, moi. J'ai la tête à l'ambert, parce que je vous renverse avec ma beauté. Il est beau, hein, mon fils. C'est bon, oui. T'as droit d'appuyer sur le bouton de la pub si t'as envie d'appuyer sur le bouton de la pub, mon chaton. Si, si, il est très câlin, hein, Tyrion, mais il aime pas être pris à bras. Donc forcément, quand je le prends comme ça et tout, il veut pas. Donc, si, si, il est très câlin, mais... La seule différence, c'est qu'il veut pas être pris à bras, quoi. Sous le bureau, coquin, sachant que Pierre est déjà dans le laxi. C'est pas toi sous le bureau. Chantal, faut qu'on parle, t'es pas obligé de dire tous les émotes un par un ou deux, c'est bien. Ben si, si, si. Si, si, bien sûr que si. Spécialiste. Ah, bon, bah go alors, spécialiste. C'est spécialiste qui a gagné. Gagner des Simflouz. C'est le moment de vous enrichir, gagner 5000 Simflouz avec des activités liées au bien-être. Ok. Obtenir de la notoriété dans le domaine des soins pour soins. Faites-vous connaître, faites la promotion de vos services sur des fauteuils de massage, des tables de massage, des tapis de yoga ou des tabourets de méditation. Travaillez régulièrement au spa. Faites d'un spa votre le travail. Donnez des cours, utilisez un fauteuil de massage ou une table de massage pour travailler dans un spa. Ah mais il va falloir qu'on se déplace tout le temps en fait, ça va être chiant hein. Puis des clients. Il y a un client régulier et fournissez-lui 10 services payants de bien-être comme des manucures ou des cours de yoga. Le but est d'obtenir des clients fidèles sur le long terme. J'ai la flemme. Oh, tu fais une pub, mon chat. Mais vous inquiétez, si vous avez une paire de fesses devant votre pseudo, vous êtes sub, ça veut dire que vous n'aurez pas de pub. Et pour YouTube, je ne sais pas quand est-ce que ce sera les pubs, donc on vous envoie les pubs. Agent 21 saucisse. C'est parti pour la pub, merci beaucoup. Mon petit chaton. Il fait pipi. On va pas regarder quand il pisse. C'est pas très agréable. Crée ton truc, toi. Troisième trimestre en 11h, on a le temps. Hein. Ah, ouh, c'est le décalage avec mon téléphone, j'ai un temps de retard. Eh oui, ça arrive. Heureusement, Chalet a dit de pas abuser de Chantal en début de stream. Et oui, il y en a qui veulent des fessées, hein. C'est comme ça. Hein. Zizine, Mathias. Pas pub, mais dans 2 jours, pub. Bah, dans 2 jours, vacances. Ton sub finit dans 2 jours. Alors, en même temps, il y a beaucoup qui vont finir dans. Qui vont pas durer, hein. Avec le craquage de King of Pom. Bon, pour l'instant, c'est pas très intéressant ce qui se passe. Mon petit bébé, que c'était beau. Mon chaton. Donc, on va accélérer un peu le temps. Oh là là, la cocotte! Fraîche et fringante. Tente une interaction romantique dans un environnement propre. Bah, ça y est, elle a le feu au cul, hein, Janine? Non, va pas dormir, toi. Vous allez ken un peu, hein. Si vous êtes excité comme deux puces là. Attends, elle va manger un truc. Parce qu'elle a la dalle. Puis après, vous allez explorer des horizons, des nouvelles positions grâce à son bidon. Ça y est, il est bugué, je crois, lui. Il est bugué avec la truc de. Chouing. Voilà. Vas-y.
tu es froid, si est-il froid, mais tu vas la chauffer quand même. Pourquoi je ne peux plus acheter la pub avec mes points? Ça fait au moins 3 semaines que je ne peux plus. Oui, Somono, je pars en vacances. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Je pars samedi. Jusque samedi. Voilà, vous serez en tranquille pendant une semaine. Vous ne me verrez pas. Elle est enceinte, a tout raté. Ah bah oui. Vu la gueule du titre, si elle l'était pas, faudrait que je la fasse enceinte. Hein. Allez, tu vas épicer, puis après vous allez ken. Ça veut dire aussi que forcément, pour YouTube, il n'y aura pas de rediff la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas eu de notre Sobéry. Oh là là, Marine a encore frappé. Marine a encore eu une fuite dans son portefeuille. À défaut d'avoir une fuite dans son sac culotte. Merci beaucoup, Marine, pour l'abonnement faire en bra queen. Gros bisous à toi, Smiley Boule. Merci beaucoup pour le soutif. Je m'en vais au voir Jean-Todam et Jean-Tom avec les autres. Des bisous, qui est petit, bonne soirée à toi. Je vais pouvoir rattraper quelques replays YouTube. Exactement. Red? Hein? Je comprends plus rien. Salut Sarah, comment vas-tu? Ban ou pas ban? Bah oui! Eh ben alors, Ombra Queen, tu as le choix. Mince, du coup, ils vont pas ken les deux là. Ombra Queen, tu as cette incroyable chance de choisir si Marine peut se faire ban quelques secondes, quelques minutes. Et c'est à toi de le dire si tu as envie, n'hésite pas. Tu n'as qu'un mot à dire, c'est le mot oui. Et elle sera bannie. Je m'attendais pas à ce que tu parles de ma culotte. Bah, ou autre chose, hein. Moi je suis pas là pour regarder. Hein. Non, il n'y a pas de Red Ninja, c'est juste Marine qui craque son slibar. Et Marine 29 a offert un sub à Ombra Queen 29. 29. Ça se fait des bisous. Les filles, elles font pareil que les deux là. Tu t'y mets où? T'inquiète, Ninja, je compatis. Ah bah dis donc, ça en valait le coup, hein, ce petit, hein. Tu vas pas dormir dans le canapé, t'es con ou quoi? Oui, con, oui, quoi. T'as pas compris qu'en fait, tu fais partie de la famille, Jean-Pierre, là? Ouais. Mon petit gugu, titi d'amour. Il dort pas, il a encore les yeux ouverts, mais... Ah, tandis que le rat est parti. Tyrion, regarde. La place, elle est libre, là, mon chaton. Hein? Qu'est-ce que tu es beau... Tu es beau garçon. Oh oui, tu es beau garçon. Oh oui, tu es beau garçon. Regardez-moi cette petite bouille de minette. Moi, tu es beau. Attendez, est-ce que je peux pas le tourner non plus? Que tu es beau bébé. Là, il est un peu rouge. C'est mon rouge à lèvres quand je lui ai fait un bisou tout à l'heure. Moi, j'ai des crocs. Je peux vous bouffer le gigot. Pas plus, hein. Ah, ma poupouille. Ça, c'est mon écran. Ça, c'est mon clavier. Ça, c'est mon bide. Ça, c'est mes nichons. Et ça, c'est ma vieille gueule. Voilà. Je vous ai fait faire le tour. Ah. Tu n'as gratte? Ça gratte, mon chaton? Je vais mettre sur play, quand même. Et là, une oreille qui gratte. Alors, je vais lui gratter la oreille. Ah, oui. Elle gratte la oreille, maman. Mieux? C'est mieux, petit cœur. Il est trop chou. J'aime trop quand il squatte, là. Ça me dérange pas. Il est mignon. Puis, il est quand même plus sage que Jamie. Du coup, je sais qu'il cassera moins de choses. C'est Noël!
c'est guignol avec son tata. Ça veut dire qu'il bosse pas? Oh, tu vas aller bosser, hein, Germaine. Eh, tu pues. C'est le sesque. C'est le sesque qui te fait cet effet. Tu accouches quand, Janine? Ah, alors je me souviens plus du tout de l'heure. Ah là. Elle a pas à travailler aujourd'hui. Mais à quelle heure elle commence? À 9h, donc elle est déjà à la bourre. Oupsie. C'est pas grave, elle va aller au taf. Elle accouchera quand elle accouchera. Hein. Et puis... Non. Mais je lui demande d'aller au... pisser. Oui, bah tu mangeras là-bas. Hein. Tu vas pas me dire que t'as pas planqué des gâteaux dans ton bureau. Tout le monde a des gâteaux dans son tiroir de bureau. Voire pire. Eh, va taffer. Quoi, ça pue la chaussette, le travail? Bah oui, bah faut demander à tes collègues de se laver. Hein. Ben, ça, lui, il va préparer Noël. Qu'est-ce que t'as? T'as encore la gerbe, Jean-Claude? Même caractériel, hein, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais ils sont sur mon terrain? Non? Ah non. Parce qu'avec cette lignage, je pensais que c'était mon terrain. Donc pas du tout. Bon. J'espère pas! Non mais... Salut Princesse Dauphin, comment vas-tu? Il est enceint aussi, oui c'est ça. Ils se sont mutuellement enceintés tous les deux. Je vais avoir deux bébés bleus, mais... voilà. Il est où Tête à cul. Ah, il est par terre. Oh mon chat, tête et poucaire. T'es un beau garçon. Une petite grossesse nerveuse. Bah ça, j'aimerais bien faire une grossesse comme lui. Hein. T'as vu comment le ventre est plat? Ah! 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 Il est gaulé chelou! Ah! Faut aller voir un médecin, monsieur, là. Ah! Ah là là, c'est la famine, hein! Tu vas faire ça, tu vas faire ta vie, hein. Donc elle, j'imagine qu'elle a la dalle et elle va pisser ses verres. Quand est-ce qu'on déménage à Soulani du coup? Bah on vient à peine d'arriver à Hanford. Bah alors, laisse-nous, hein. Quand même. On voit que tu t'es douché ce soir. Non, pas encore. C'est après le live. C'était hier soir. Mais j'ai pas encore... j'ai pas le temps le matin. Surtout qu'en ce moment, je rate tous mes réveils, donc bon... matin, c'est... Ça pourrait me réveiller, mais... j'ai pas le temps. Malheureusement, c'est triste, mais j'ai pas le temps. Je prends le temps le soir. Génération bleue, le déménagement. Ben oui, on n'y est pas encore. Il est encore temps de faire des bébés avec Raoul. C'est Mathias, c'est mal foutu. Nana! Le bébé, il est déjà dans le coffre. Oh, pourquoi elle est triste? Elle est d'humeur bleue. Père quelqu'un de proche dans la famille. Et j'ai pas eu d'annonce. Qui c'est qui est claqué? Oh merde, attendez, qui c'est qui est... Dahlia? Oh là là, attendez. Arbre généalogique? Bon, bah Dahlia et Melba sont claqués. Dahlia était morte, je pense que c'est Melba qui est morte. Bon, bah voilà. Oula! Alexandre Rainbow! Ah, des yeux des cheveux jaunes pisse. Quelle tristesse, hein. Quelle tristesse, merci. Oh, merci pour ce follow incroyable. Tu crois vraiment que je vais dire ton pseudo? Va voir chez Fortnite, il y a peut-être des gens qui se donneront plus intérêt. Au revoir, mon bébé. À plus. Ah, du coup, toi, tu vas faire à bouffer. Tu dois faire quoi? Esprit des fêtes, ouvrir des cadeaux, grand repas, Père Noël. Et on va découvrir. On va aller acheter un sapin. Sapin.
Allô, les modons? Ah, on aime toujours... Tu sais, mon petit, c'est pas parce que t'as 12 ans et demi qu'il faut que te croire grand, hein. C'est ce que j'ai osé parler de Fortnite, comme c'est son jeu favori, il a pris la mouche, il est pas content, il est triste, tu vois, il va pleurer dans les culottes à sa mère, maintenant. Ah, la tristesse de ces jeunes, maintenant. C'est, en fait, il crée des pseudos, histoire de faire « Oh, t'as vu ? Ah, ah, moi, je fais la... Ah, comme ça, elle va dire des mots interdits, et puis je pourrais la signaler, et elle va perdre sa chaîne !» Et puis, en fait, dès que tu leur dis un truc, c'est « Oh, vas-y ! Oh, t'as vu comment je te bats ? Oh, vas-y, t'es moche !» Non, est-ce que tu crois que je me suis jamais vue dans la glace ? Non, non, sûrement, je suis moche, et puis je suis grosse, en plus. Oh, oh la vache, et tout ça cumulé, et en plus de ça, je suis conne. Incroyable. Et mais j'en ai conscience. Ce qui est fou, c'est que toi, t'as pas conscience d'être stupide. Mais ça, je pardonne limite, parce que tu me dis que c'est la jeunesse qui veut ça, et que quand t'auras un peu de plomb et un peu de cervelle, peut-être que ça commencera à un peu cimenter là-dedans. On en reparlera. Si t'es un mec, on peut attendre une trentaine d'années avant que t'aies du plomb dans la cervelle. Pépépé ! Une fois qu'il est bien placé, lui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut se marrer, dis donc. Quelle limitation. Ah oui, Marie, t'as raison. Nous sommes très limités dans cette maison. Oh, une petite couronne verte et bleue. Comme la maison. Comme la génération. De toute façon, vous savez, ils viennent voir... Oh, je la mets en gros, on s'en fout. Ils viennent voir ici parce qu'ils se disent « Ouais, de toute façon, les Sims, c'est pas un vrai jeu. Oh, de la merde. Alors que Fortnite, c'est tellement mieux, Fortnite. » Alors, je suis désolée pour le joueur de Fortnite. Hein. Mais quand même, les kékés de cet acabit sont en général très très fans de Fortnite. Donc, malheureusement pour vous... Bon, j'ai pas envie d'en mettre trop plus. Trop peu n'en faut. Est-ce qu'on a la boîte de rangement? La boîte de rangement. Ça. Encore des couleurs incroyables. Je crois que c'était une bête. J'avais juste un cheveu sur mon bras. Ah bah la boîte, on va la mettre là. On peut pas la mettre sous l'escalier? Non, c'est pas drôle. Moi, je voulais la mettre là où... On avait de la place. Bolo. Voilà. Et on va décorer comme ça. Accrocher les décorations. Waouh! Magnifique la maison. Magnifique. Voilà. Et ça a validé la fête de l'hiver. Bah, c'est bien, Jean-Guy. Tu vas faire à manger maintenant. Tu vas nous faire un grand repas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dîner avec du poisson. Tiens, parce que c'est bien le poisson. Ah bah les sixièmes ils se prennent pour les petits caïds, c'est ça. Non, c'est pas la jeunesse, y a pas d'excuse, éducation, respect qui fait défaut. Oui aussi, mais je veux dire que par là, même si quand t'es gamin, t'as 12 ans là, machin, t'es con, t'es forcément un peu limité. Et je dis pas que c'est tout le cas de tout le monde, mais selon le vécu et tout, mais moi je pense que la plupart sont quand même assez relativement idiots, bêtes, parce que peu d'expérience. Mais qu'avec la vie, tu acquéris des choses. Et tu te forges ainsi un... Oh, il a éternué dedans. Covid. Covidé. Covidé. Tu te... Hein. Voilà, tu deviens un peu plus mûr et tu apprends des choses. Et puis tu te rends compte de choses aussi que tu as fait. Tout ça. Comme même, exactement. Mon Dieu, quel style notre chat. T'as pas vu encore Shirley? Non, ça va venir. Ah bah non, j'ai trois poils. J'ai bientôt le quatrième qui pousse. Salut Akikorp, comment vas-tu? Après, faut pas blâmer l'éducation des parents, c'est pas toujours leur faute non plus. Mais bon, il y en a quand même beaucoup qui ont laissé tomber cette tâche-là, il y a très longtemps. Chacun aime le jeu qui vaut pas la peine de faire chez les autres. Bah oui, après j'aime bien taper sur Fortnite parce que... Tu vois énormément de gamins de 12 ans,
après j'ai 12 ans, c'est pour ça va de 8 à je sais pas quel âge, j'en sais rien. Mais qui jouent à ça et qui sont complètement fanas et en gros, ben. Tu vois, voilà. Pour eux, ça c'est du vrai gameplay. Bah oui, je sais bien que tu es en vacances. Pourquoi tu viens ici? Profite de tes vacances. Ah, il fait nuit, tu me diras là-bas, peut-être. Oh, mais il fait nuit vachement tôt, hein. Bah, il est 21h30. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette maison-là? Vous pensez que le petit enfant, il va naître pour Noël? C'est super. On est content ou pas d'avoir un petit bébé pour Noël? Il va préparer le sapin. Saboter le sapin. Non, déjà. Tu vas décorer. Couvre-pied. Eh ben, bleu et vert, parce que nous sommes dans la génération verte et qui va avoir la génération bleue. Nous sommes pile dans le thème. Décorer. Guirlande. Il est pas là, Guirlandus, aujourd'hui? Il est pas encore arrivé? Cloche bleue et blanche. Parce que, bah voilà, pour l'arrivée de petit bébou. Pas de soucis, avec quelqu'un, avec plaisir. Juste pour me faire chier. Mais tu me fais pas chier, t'inquiète. Et le poisson est tombé, il l'a remis dans la poêle. Ah mince! Ouais, mais si tu connais l'arrêt des 3 secondes, si ça reste pas plus de 3 secondes par terre, c'est bon, hein, c'est mangeable. Je peux mettre des bibites, ben, ça dépend où. C'est pas bien Noël. Ah mince! Un houbou pour Noël. Ben oui, on va l'appeler Jean-Noël. Ça vous va? Ou Jeanne-Noël, bien sûr. Évidemment, si c'est une fille. Mais ce sera une fille, donc ce sera Jeanne-Noël. Mais si tu n'aimes pas les Sims, qu'est-ce que tu viens faire sur un stream Sims 4? Mais je sais pas s'ils aiment bien les Sims, et tu sais, des fois, il suffit que... il s'attaque à ce genre de stream, des streamers sur les Sims, ou parce que je suis une nana, il se dit... Tu vois. Parce que sur les très gros lives où il y a des milliers de personnes, de toute façon, ils se feront pas voir leur petit pseudo à la con, là. Ils vont pas le voir. Alors que moi, à mon niveau, je vois tous les pseudos qui vont qui vont follow, tu vois. Donc... C'est comme ça, après. C'est un compte qui va se faire supprimer dans même pas une semaine, donc... C'est beau! Alors, attends, t'as ton daron qui est venu? Parce que oui, ça, c'est son père. T'as fait peur. Je vais mettre des bites juste pour les chats, pas pour toi, pas de soucis. Ils ont besoin de manger là. Ils ont rien à manger. Oh, un cadeau! C'est Noël, hein. Non, Jésus. Ah. Qu'est-ce qu'il a? Un cupcake classique à la vanille. Mais c'est mignon, ça, merci, papouze. Offrez un cadeau. Ouais, alors on a soit notre aspirateur, soit le cupcake. On a rien, peu importe. Si, attendez. On va aller chercher une connerie dans l'inventaire de famille, c'est pas grave. Une veilleuse. Une veilleuse jouée chouette nocturne. Des pétards. Un poisson. Quel des poiscailles. Putride. Ah, c'est Toya qui l'avait pêché. Ah bah oui, c'était l'élection de l'héritier. Ça remonte maintenant déjà. On a des trucs comme ça, là. Des pierres spatiales. Vas-y, une petite pierre spatiale. Je l'aime pas, elle est moche. On va lui offrir ça à Papou. Hop, vas-y, tu vas lui offrir ça. Tiens. S'ils veulent du gameplay, ils font juste aller voir World of Warcraft. World of Warcraft. Mais bon. Quand je faisais la vidéo, on avait étudié Freud, je me souviens du passage qui disait que les ados passaient par le même état d'esprit que les enfants en bas âge qui commencent à dire non à tout le monde parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent défier l'autorité. Enfin, ça m'étonnerait même pas, en fait. Et quand ils font de la salade, c'est le doigt dans l'oreille et puis là, dans la salade, oui. Ah, ça y est, il est malade. T'es chiant. Finis ton sapin, gars. Chantons ensemble. Oh oui, ils vont chanter après. Ah, déclaration de sommet. Bah, bleu et blanche, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas vert. Bah, le sapin est vert, tu me diras. Ornement. Attends, quoi? On n'a pas déjà mis les ornements?
Bah... Ah, j'ai juste mis la guirlande. Oh, je sais plus. T'as vu, Papou, comment je suis sexy maintenant? J'ai du poil à la teub. Une tombe? Non, on va pas donner de tombe, hein. Ça va servir les pas longtemps, il vaut mieux lui acheter le cercueil directement, hein. Bon, t'es sympa, papa, mais j'ai un sapin terminé, là, ma femme va retrait du taf. Enfin, ils sont pas encore mariés, tu me diras. Ah, pourquoi t'es pas content? Pourquoi tu vas pas casser ma tuyauterie, hein? Je te vois avec ta main baignoire, là. Ma baignoire douche. Comme ça, quand elle va rentrer, elle va faire « Oh, la maison est toute décorée oh. !» T'inquiète, mon grand Queen, j'avais compris. Le bois de sapin, c'est bien pour le cercueil. Oh, c'est horrible. Jude, te pourrais-je à toi, je t'aime pas mort de rire, je t'aime Shirley. Merci beaucoup à Kikor pour tes 100 bits. Juste pour les chatounes. Bah, y a même plus personne. J'ai Jamie qui est par terre. Et j'ai perdu Tyrion. Ah non, il est dans la cuisine. Bah alors, mon chaton. Elle est grande, la cuisine. Hein, enfin, elle est petite, mais elle est grande. Parce que j'ai tout vidé. Donc ça fait grand. Genre, le frigo n'y est plus, donc forcément... T'as l'impression d'avoir une cuisine immense. 504 simflous, style de vie obtenu, bourreau de travail. Regarde, ma biche. Ta maison, elle est toute décorée. Elle va direct taper dans le truc. Tu vas te présenter à beau papa quand même. J'avoue, faut que tu puisses la nourrir, ce chacha. Bah oui, petit chaton là. T'iras bouffer le poisson après. Oh, et lui il m'énerve aussi. Pourquoi t'es malade là? Y a rien. Putain, le ventre qu'elle a, laisse tomber. Hein. Oh là là, y a beau papa qui est en chaleur là. Il a limite envie de se taper sa belle-fille. Mais regardez-moi ce bide! On dirait qu'elle fait deux grossesses en même temps. Ouais, bah, oh, il est malade! Comme c'est étonnant, dis donc. Ouah, le sapin, il est terminé! Oh là là, quelle beauté! Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont comme chance, hein? Alors que nous, il fait 30 degrés actuellement, à peu près. Admirez les décorations. Allumez le sapin. Allumez le sapin. Triplé Dark Mode Kappa. Bon bah écoutez, si c'est triplé, c'est incroyable. Hein. Parce que ça m'est jamais arrivé. Enfin si, une fois, mais... Voilà. Donc, c'est un peu ouf. Et salut Collins, comment vas-tu? Elle a pas froid en mini short? Bon non, hein. Ça tient chaud, hein, les morbacs dans le bide. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, avec une télécommande toi. Alors il est beau? Admire. Oh. Oh. Ah non, attendez, j'ai pas le sapin. C'est cruel de pas avoir le sapin. Est-ce que t'es belle? Est-ce que ce sapin te plaît, coquette? Attendez, je vais dans le sapin, moi. Ah! Elle est belle. T'as les boules, Coco? Coco, t'as les boules? J'essaie pour avoir une belle miniature, hein, mais c'est pas évident. Hein. Là, il est derrière, lui. Je vais faire ça comme ça. J'aimerais qu'il y aurait un bout de sapin, mais... Merde. Marthe. Mercredi. Bon. On sait que c'est le sapin, mais... Qui d'autre le devinera? Lui, je le sens. Non, tu vas rien faire du tout. Je le sens qu'il va taper dans notre plat. Ça, c'est pas à toi, ça. C'est ça, renifle. Mais c'est quoi ces Sims qui se servent comme ça, là? Ah, ça me rend dingue. Vous imaginez, vous?
Il y a quelqu'un qui passe comme ça chez vous, vous recevez, vous êtes sympa. Et puis d'un seul coup, il se lève. Et puis il va se servir dans le frigo. C'est peut-être déjà arrivé chez vous. Je connais quelqu'un qui s'est arrivé et j'étais là, moi. Bah ouais, mais non, en fait, gars. Bah non, en fait. Un bitsué fou mime en vacances. Un bitsué fou? Merci beaucoup à Kikan pour tes 100 bits! Oh oui! Elle a dit oui! Elle a dit oui! Nous avons un mariage à célébrer bientôt. Bientôt. Un mariage d'amour, un mariage enneigé. Ben non, parce qu'en fait, c'est vrai que dans les Sims. Aux États-Unis, ils sont bizarres un peu parce que c'est pas mal ça comme en vrai. Mince. Comme petite. Voilà, ce sera la miniature. Aux États-Unis, ils fêtent Noël le lendemain. C'est le printemps. Donc en fait, ils fêtent Noël en mois de mars. Ah si, hein. Si vous regardez dans un calendrier, le printemps c'est au mois de mars, hein. C'est pas au mois de décembre. Mais la personne qui s'est fait un café, je l'ai regardé chelou en mode qu'est-ce que tu fais. Je sais pas encore les boules, mon mari est au boulot. Putain, je comprends rien à ce que vous racontez. Il crame à chaque fois le sapin, c'est comme ça que j'ai perdu ma génération jaune. Oh là là. Ah oui, c'est arrivé une fois, moi, que le sapin avait cramé. Une ou deux fois, je crois. Je sais plus. Ah oui, bah va pisser, Janine. Oh, la vache. Elle est claquée. Tu vas faire une sieste? Est-ce que tu connais le frère? Tu connais la sœur? Je suis pas sûre. Est-ce que tu connais sa sœur? Marlène, sa sœur. Ah ouais, tu connais... Bon. Tu vas pas dormir, c'est toi qui vas organiser l'événement social. Elle connaît pas la mère. Wow, elle connaît la faucheuse par contre. Hein. Elle va inviter les amis. Ah bah oui, elle invite les amis en étant sur les chiottes. Ah, tu viens à notre dîner ce soir? Comment dire, je vais accoucher. Enfin, vous pourrez regarder et faire les commentaires en direct. Vous voyez, pour être faire un TikTok si vous voulez, devant mes jambes écartées. Ah, incroyable. Jean-Guy. Fais les cheveux dans le vent ou j'ai trop mimi. Fais les cheveux dans le vent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait qu'elle se fasse des potes. Des amis et des ennemis, j'avais oublié, Jean-Pierre. C'est trop joli avec tes cheveux. Ah bah c'est sûr que sans cheveux, j'aurais pas la même gueule, hein. Crois-moi. Mais merci beaucoup pour tes 100 bits. Parce que franchement, je pense que sans cheveux, vous partirez très 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 vite, très très loin. Et très très tous ensemble. Mais nettoie ça! Opaline, Opaline, comment vas-tu? Oh, le Hulk, il a sorti son pantalon en piton. Quelle connasse. Ah, ça a été réparé. Ça a été réparé. La 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 la. De toute manière, la vraie date de Noël, c'est pas le 25, c'est une date convenue plus tard, mais comme ça correspond tout à la naissance de Jésus, le 25, je sais. Madame Marie Catéchisme est parmi nous. On peut inviter la faucheuse pour le papa. Tu penses qu'il y aura un héritage? Penses-tu qu'il y aura un héritage? Et du coup, Shirley, tu as de nouveau de l'eau dans ton appartement? Oui, pleurnicheur, j'ai de l'eau. Ça fait 24 heures que l'eau est disponible dans mon appartement. Incroyable du flux. Oh! Le Père Noël. C'est quoi, toi? C'est quoi, ça? Vous êtes qui, madame? Vous partez. On vous connaît pas. Par contre, toi, tu peux arriver.
oh, 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 joyeux Joël. Elle, il faudra qu'elle... ouais. Pas tout le monde qui est venu quand même. Hein. Raoul, il s'est même pas déplacé. Hein. Ah, sans ça discuter ici. Mais c'est pas possible. Arrêtez de vous servir. Il y a du dîner avec du poisson. J'allais faire l'appel. Tu es chien. Tu es chien, Christian. C'est 5 amis et demi, je me trompe pas, je sais plutôt. Ouais, c'est ça, ça. Tu es sûr. Quoi? J'ai rien compris à Kikorp. Mais t'as bien écrit gros cul, on est d'accord, mais j'ai rien compris. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai pas pigé. En fait, je suis trop contente, tu dois revivre. Ah bah j'ai pas eu trop le temps, mais oui, j'ai pris une douche. Bah c'était une des plus belles de ma vie, on va pas se crocher, tabarnak, de colis. Je vais vite me laver, attendez-moi pour le bébé. Ah bah non, Marie. Si le bébé doit arriver, il arrivera. Mais vas-y, toi aussi. Enculé, là. Pardon pour la vulgarité, mais bon. Cet enfoiré, il se sert avant qu'on lui dise qu'il a le droit de se servir. Non mais c'est quoi ce mec? Père hiver, père fouettard, ouais. Plus, c'est un gros morphal dégueulasse. Gros morphal, dégueulasse. Gros morphal, le dégueulasse. Ouais, gros morphal. À quoi la fonction verrouiller le frigo? Mais tellement, Linax, j'étais en train d'y penser. Bonjour Jean-Pierre, Jean-Pierre d'Oliver. Sinon vous pouvez manger vous aussi, enfin lui vient de se taper une salade. Oh Raoul! Raoul, regardez Raoul! Oh qu'il est beau le Raoul! Plus tu me regardes, mieux je te tends. Il est beau Raoul. Il est beau Raoul! Il est très beau Raoul! Là, tu vas mais la journée et tu vas ensuite... Demandez un cadeau. Embrasser les mains. Mais non, mais tu vas pas draguer le beau-père. Tu salues tout le monde. Tu dis comment allez-vous. Bon, c'est une toute petite table, alors forcément, on n'est pas habitué à avoir autant de monde. Mais... Donc, on est plus ban quand on dit qu'on va prendre notre douche. Non, c'est bon, Père Nichard, tout va bien. Et la future maman, bah elle est là. C'est celle qui a un gros ventre. Je raconte, je suis un peu gros. Ah oui. Même si j'ai un peu bu ce soir. C'est pour ça que tu t'arrives pas à écrire correctement à Kikorp, on est d'accord. Merci beaucoup pour tes sorbites encore, merci énormément. Ah bah dis donc, la Bretagne, hein, ça vous gagne, hein, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Un café Schmapple, super, ça nous servira jamais. Crabow, je tout des timbits, ma sale année, timbits to mys. Ho ho ho, un noyeux Joël. Et moi, je peux avoir un cadeau. T'as vu, je suis grosse en plus. Si tu me donnes tu m'offres une paire d'ongles de manucure. Bah tu as demandé un cadeau, fais pas ton étonné. Qu'est-ce qu'on a eu? Une carotte pour se mettre dans le... Un infuseur personnel thé magique. C'est des choses qu'on n'utilisera jamais, on est d'accord, c'est vraiment de la marde. Parfait. Ouais, tu vas chanter une chanson... Du jour férié encore. Pipi, ma salle, allez, mais please to my eyes. Le chouchen, ça tape, c'est quoi le chouchen? Je connais pas. Réalement dans ma partie, il a fait 3 jolies petites filles à ma Sim 7. Ah, t'as de la chance. Nous, il nous a fait 3 gamins, 3 garçons.
Des bisous à Akikorp. Bien sûr que t'es gentil, évidemment. Le Père Noël s'appelle Clément Gif, comme d'hab. Non. Raphaël Muller. Elle va y faire un petit dodo, la demoiselle. Parce qu'à mon avis, hein, ça va pas tarder à sortir. Je sais plus à quelle heure, mais on verra bien. Ah, tu connais pas Raoul ? C'était ton... Comment dire ? Pourquoi tu peux plus parler à... ça a failli être toi et lui, lui et toi. Enfin, je veux dire, vous étiez l'un contre l'autre. Enfin... pas dans ce genre de truc. Ah, c'est un accord de Bretagne. Je connais pas du tout. Pour changer ton humeur parce que t'es chiante enceinte. Moi ? Non, je suis pas enceinte. Je suis juste chiante tout court, en fait. Ah oui, c'est vrai, Sarah, excusez-moi. Je vais lancer la pub de 60 secondes sur Twitch. N'hésitez pas à me mettre dans le chat que vous avez bien vu la pub, parce que grâce à ça, eh ben, vous soutiendrez le stream sans rien faire, sans même bouger votre petit derrière. Et donc, bah, c'est, merci beaucoup. Ah, c'est grâce à vous que je deviendrai ultra riche, parce que je vais gagner des micro-centimes d'euros et de dollars, et de dollars et d'euros. Et merci beaucoup, à toute allure. Non, pas dans le cul, dans Luc. Ah, c'est le Shushen, je connais pas du tout. J'ai mes règles. Mais c'est quoi ces questions, Akikorp, là ? C'est quoi ces questions ? Ça fait trop longtemps que je vois plus cette partie-là de mon corps. Je pourrais pas te dire. L'infidèle de te... de te... de te... de te... arrêter l'apéro, ah ouais, je pense, ouais. Ah, va falloir passer la spi, hein. Voilà, la petite pomme, elle en peut plus, elle va se coucher. Allez, hop, oh là, oh oui, c'est vrai, on lui a mis la chemise de nuit de compète, hein, ici. Chemise de nuit de compétition. Cette charte part complètement cacahuète. Non, mais voilà, ça devient n'importe quoi. Infuseur de thé parce que t'es chiante. Moi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Je vois pas le rapport. Pourquoi quand on a un fuseur de thé, c'est parce qu'on est chiant ? Je comprends rien, là. Merde, des bisous à Kikor, pas de soucis. Oh bah, les chatons, ils roupillent, là, pour l'instant. Ils sont par terre, ils roupillent. Ils ont chaud, les petits binouches. Imaginez, vous êtes invité à Noël, à un repas. Bah ça, ils sont tous partis. Ah merde, tu vas mettre un tas de sapin. Bah c'est plus la fête de l'hiver, bon bah tant pis, c'est fini. Il n'y aura plus de cadeaux. Mais genre le mec, au milieu de la soirée, il sort son aspi. Son aspiratron. Ouais, remets-en. Ah, tu peux pas en remettre. Si. Ajoute un cadeau. Il ajoute un cadeau. Est-ce que tu mets un cadeau et lui il en met quatre ? C'est complètement logique. Allez, va te coucher. Tu vas bientôt devenir papa. Je vous aime tous ces bisous, je vais me coucher. Oui, bonne nuit à Kikor. Repose-toi bien, je vais enregistrer. Parce que le premier bébé va partir. Et ça n'a pas enregistré. J'ai pas bien appuyé sur enregistrer. Il faudra que je découpe tout le live. Oh putain. C'est pas comme si j'avais pas le temps de faire tout ça déjà. On est marre. C'est pas grave. Je viens de voir. Je sais combien de temps que je recorde. Ben en fait, je sais pas. Ah ! Fuseur de thé, c'est pour changer l'humeur dans les Sims. Ah bon ? Et salut Topia, comment vas-tu ? Je savais même pas. Je l'utilise tellement jamais ces trucs-là, moi ils sont c'est chiant. Si tout le monde commence à passer la spi, je pense que c'est un subtil signal pour te dire de te casser. J'avoue, ouais, c'est. Oui. Par contre, Shirley, on dit un cadal, t'es bizarre depuis que t'as retrouvé l'eau. Me blâmez pas comme ça, j'ai ce luxe.
de pouvoir me laver le cul tranquillement maintenant. Sinon, prends-le maintenant. Que je prends quoi? Oh, je comprends plus rien de ce soir. Aïe, 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 ça pousse, ça pousse. Elle va mettre à bas la grosse vache. Pardon. Fiancée. Est-ce qu'elle est pas contente? Pomme est désormais fiancée, va donc se marier. C'est une fantastique nouvelle. Cela dit, c'est un énorme engagement pour quelqu'un qui était tellement habitué au célibat. Bah bon, tu parles de moi, là. Et pourtant, je suis fiancée aussi. J'ai pas de bague, mais je suis fiancée. Bientôt la baignoire. Ah oui, bientôt la baignoire. Prends ma bite, tu me fatigues. Mais quoi? J'ai bien dit. Eh, tu me dis des trucs, toi. T'es pas bien dans ta tête, hein? Prends ma bite, mais comment il parle celui-là, mais dis donc. Et après, on vient me dire que je suis vulgaire. Bah oui, mais bon, regardez-moi ce que je lis dans le chat aussi. Comme même, alors, qu'est-ce qui se passe? Fais un hot-top, t'auras plein de dons, je pense pas, non. On va plutôt appeler la SPA pour se dire, attention, il y a une baleine qui s'est échouée dans une maison. C'est moi! Ce sera moi. Tu lis jamais ce qui défile au chargement, il y a plein d'astuces. Oui et non. Ça te plaît pas d'être fiancé? Je suis flou. Ouh, je suis flou. Si, mais c'est... Bah si, parce que c'est moi qui t'ai demandé en mariage, donc ça vient de moi, mais... Et non, oui, c'est plus un bébé de Noël, ce sera un bébé de... On s'en tape le fion, quoi. Attends, Janine, si tu veux bosser, tu vas bosser. Ah, tu t'as déjà lancé la prédit? Oh! La prédiction est lancée pour savoir ce qu'il y a dans le... Dans le machin, là. Dans le panier à crabe. Je sais même plus à quelle heure elle accouche, hein, mais bon. Alors si c'était à 9h, j'ai à 9h40 la veille, ils lui ont dit qu'elle était en un jour de congé, je sais pas quoi. Donc ce sera peut-être à 9h, 9h30. Donc ça veut dire dans une demi-heure, une heure six. Incroyable. Mes oreilles si pures, je suis outrée par un tel la tête. Bite, c'est pas vulgaire, bah un petit peu quand même. De quoi une baignoire? Bah oui, la baignoire. Je vais faire des lives hot tub, Marie. Un bébé de chouchoute. De chouchoupite? Non, c'est pas tout de suite le chouchoupite. C'est à toi de me filer la bagousse. Bah j'attends ta taille de doigt, nonard. Tu t'as fait des mois que j'attends ta taille de doigt. Tu me dis M. C'est pas une taille de doigt, ça. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Une mise à bas en plein dîner de Noël. Bah ouais, mais comme je sais plus à quelle heure elle est tombée enceinte, bah voilà. En plus, elle doit aller taffer. Vous pensez qu'elle va aller taffer en accouchant? Ah bah oui, t'aimes la programmation, Jeannette. Heureusement. Allez, bah bon boulot, hein. Ah. Non, à Kikorp, là, tu vas un peu loin, quand même. Faut pas déconner, non plus. Mais tu vas avoir une baignoire. Oui, pendant mes vacances. Donc, ça va y aller dans la baignoire. Moi, je te dis, être sabarnak. Tous les soirs. Surtout, là, vu la galère que j'ai eue avec mon eau, je peux vous dire que tous les soirs, c'est bain. Avec un petit épisode, là, ah, je vais pouvoir rattraper des séries. Comme ça va me faire du bien. Comment on mesure? Je fais ça en direct. Mais je regarde sur internet. Attendez, je suis perdue dans mes touches. Aïe, 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 ou! Oh merde! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, ma chérie? Tu vas enfin dégonfler, ça y est?
Oh là là, alors vous avez toujours la prédiction qui est en cours. Don't know what new boo. Don't know what new boo. Non, ben non, mais tu seras obligée, ma Jeannette. Hein. C'est comme ça, hein. C'est le jeu. Hein. Par contre, arrête de jouer comme ça. T'es en direct sur Twitch, meuf. C'est un peu bizarre. J'ai le bijoutier pour la mesure. T'as eu des problèmes d'eau avec cette chaleur. Salut, Chlorose. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Oui, Utopia, j'avais une fuite depuis plusieurs semaines, j'ai coupé mon eau, je me douchais qu'à l'aide de bouteilles d'eau. Et depuis hier, il y a eu les travaux chez moi, ils ont tout fait des tuyaux tout neufs, donc depuis hier soir, je peux enfin avoir de l'eau tranquillement à la maison et donc prendre une douche normale. Alléluia, Jesus. Alléluia. Alors, vous avez... Putain, un garçon... Non, Florinicheur, non. Il sort d'où l'enfant? Tirez pas. Une fille, ça sent la fille, un garçon. Eh bien, écoutez, il y a justement une prédiction. Nous sommes dans les dernières secondes de la prédiction. N'hésitez pas à balancer vos meilleurs points. Puisque c'est quasiment 50-50. Hein, 47 une fille, 53% garçon. Et voilà, dans une 0 seconde, c'est fini. Vous avez prédit. Les dés sont jetés. Allez à Jacta Est. Bien sûr, je parle pour Twitch. Vous voyez, de toute façon, YouTube, les petits 1 et 2 devant leur pseudo, ça veut dire qu'ils ont voté soit l'un, soit l'autre. Alors, les filles, c'est en bleu et les garçons, c'est en rose. Voilà, parce que c'est l'inverse. Nous, on fait pas du genre, vous voyez. Bien sûr, elle fait des squats en plein milieu. Je les ferai après, hein, parce que là, je suis en train de... On est en train de faire la naissance. C'est un moment important. 47% pour une fille. Il y a eu 45 000 points de balancés. Vous êtes 12 à avoir balancé des points. Et le plus gros pari, c'est Kiki Sims avec 20 000 points. Pour le garçon, 53%. 51 000 points ont été balancés. Vous êtes 10 à avoir voté. Et le plus gros pari, c'est 20 000 points et ses petits cœurs. Are you ready? Je me gratte la moustache. Les enfants sortent du nombril. Moi, ils sortent du trou de nez. Vous avez eu peur. Ouais, je sais. Attention, je veux pas voir les... je veux pas voir ça. 3 2 1, je vais tourner dans l'autre sens. J'ai peur. C'est une fille! Team bleu! Ah bah non, c'est une meuf! C'est une petite meufette! Et si c'est une meuf! Les ovaires ont gagné, les boobzou! Les boobs ont gagné! Papa! Voilà, c'est notre héritière aînée! Incroyable, merci pour votre participation! À la prochaine, salut! Je suis désolée pour ceux qui ont voté garçon, mais c'est une meuf. Nous allons donc maintenant parler prénoms. Avez-vous des prénoms qui ont une connotation bleue? Une chose qui soit bleue, qui fait penser au bleu. J'ai déjà une liste. Bah c'est les générations bleues, exactement. Donc c'était forcément le bleu qu'il fallait voter. Eh oui, c'est vous qui avez... Sky, Marine, jumeau. Marine. Alors Marine, ce sera un nom. C'est trop simple. Je dis pas que c'est pas joli, mais c'est un peu simple pour le challenge, je trouve. J'ai pas mon truc, moi. Et surtout, ça me rappelle quelqu'un de mon taf, qui n'est plus là. Et c'est tant mieux. Mais ça n'a rien à voir avec la petite Marine adorable du chat, évidemment. Hein, rien à voir. Hein. Véronique. Non. Alors, je sais que c'est une fleur, hein, mais non. Pas Véronique non plus. Agathe Hortensia. Curazo, c'est une liqueur bleur. Alors, bleur, j'aime bien. Moi aussi, j'écris bleur des fois. Ou je sais pas quoi, mais c'est bleu. Curazo. Mais ce serait bien pour un garçon, je trouve. Mais c'est une fille pour une fois que je voulais que ça soit une fille. Cuirazo. Ah bon, bah moi je connaissais pas. Iris, Belinda, tac, tac. Comme tac, tac, tac. Indigo, ça c'est plus pour garçon.
saphir. Je voyais bien ça pour un mec aussi. C'est joli, hein. Bleu, azura, ciel. J'espère. Bah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec toi, Marine, t'inquiète. Je sais différencier, tu vois. Jacintin, je t'ai dit tous les prénoms sur le thème bleu. Oui, oui, je vais les lire. Iris, Océane, j'ai plus d'idées. Blue Sky, Pivoine. Pivoine, c'est bleu ça, enfin, ça peut être un peu toutes les couleurs, je crois, Pivoine. Alors, Blue Tac. Mais c'est quoi Tac? Je crois que tu me l'as déjà dit, mais j'ai déjà oublié. Donc, dans les propositions YouTube, nous avons Myrtille, bleuet. Saphir, Marine, Aqua, Céleste, Turquoise, Lazuli et Nila. Alors, j'aimais beaucoup Nila. N-E-E-L-A. Qui veut dire bleu en Inde, un truc comme ça, d'après ce que j'ai compris sur le commentaire. Je sais plus, j'ai marqué entre parenthèses Inde. Donc c'est pour savoir qu'il y a une connotation Inde. Ou c'est un truc. J'aime beaucoup Nila. Après, j'aimais bien Sky, effectivement aussi, c'est joli. Dans ce que vous avez proposé. Klein, pour le bleu Klein. Mais ça, pareil, je vois plus pour un mec. Skyvola, ouh la vache. Je trompe fait. Mais oui, Kikissi, mais tellement. Je trompe fait, en vrai, ça me serait très bien. Pivoine, c'est une teinte de rose surtout. Mais pourquoi Stella? Stella, c'est. Ou alors je vois pas le rapport. Fais ta liste et je fais le sondage. Oui, t'inquiète. Nila, j'adore et Céleste aussi. C'est très joli, Nila. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Carapuce. Ah, Marie, on verra. Quand tu seras à la génération bleue, je te dirai. Bah, tu l'appelles Carapute? Parce que moi, j'appelle Carapute. Parce que ça me fait rire. Ce carapute, c'est rigolo, tu vois. Voilà. Oui, Nila, c'est beau, hein. De toute façon, je pense que Nila sera dans les propositions. Alors, je pense qu'on va partir sur Sky, Nila et Lazuli. Lazuli, parce que la pierre, lapis, Lazuli. J'avais fait un Legacy sur les Sims 3 avant d'avoir les Sims 4. Et j'avais été jusqu'à la génération 8 et j'avais spécialement voulu que les filles aient des noms de pierres précieuses alors que les garçons étaient des dieux égyptiens. Ouais, j'étais partie sur deux thèmes différents. Et j'avais eu des jumelles, et ben elles s'appelaient Lapi et Lazuli. Et donc j'aime beaucoup l'idée de Lazuli. Ce lapis, c'est un peu bizarre quand même, sachant qu'il y a un S, donc ça, normalement tu peux dire lapis. Lapis, Lazuli. Mais lapis, c'est pas vrai. On a déjà eu le Hulk, on va pas avoir lapis. Hein, parce que là, c'est... on va dire, mais pourquoi lapis, c'est jaune alors que... Hein? Ah oui, Jamie. Petit con. Donc, mais mon petit sondage, mon petit Martialoux, tu peux mettre Sky, Nila et Lazuli. Je t'ai les écrits. Et je pense que ce sera très bien pour le prénom de cette première petite fille. Et unique petite fille. La pigeon. Nila me fait penser à Nutella. Ah non? Ah bon? Sky c'est sympa mais peut-être trop facile. Bah c'est mignon tu vois. Après c'est un peu mixte. Tu peux mettre les deux avec Sky je trouve. Blue comme prénom. Oui c'est joli aussi ouais. La pisse c'est pas mal. Donc le petit sondage a été lancé dans l'espace chat. N'hésitez pas à refresh. Si vous ne le voyez pas apparaître, pour que l'on puisse, tout simplement, pour que vous puissiez voter, exprimationner votre préférence entre ces trois prénoms, Sky, Nila et Lazuli. Bon, moi, j'ai quand même une préf, grosse préf. Après, c'est vous qui choisissez, hein, comme depuis toujours sur le Not So Berry. Vous choisissez au moins les prénoms, après, les héritiers, personne ne choisit. Sky, je vois bien un mec bad boy. Ouais. Là, j'adore, et Lazuli aussi. Tu préfères quoi, toi? Jamie? Tu préfères quoi? Une petite meuf qui est née, là. On est content? Oui. On peut en faire plus, ça, je sens que ça va me porter malheur, après. Je sens que ce radiateur est de retour. Ah non, mais tu crois que lui, il me donne pas chaud, là? Petit caca, là. Oh, oui. Des câlins, maman. Des câlins, maman. Sky, ça me fait penser au mec dans les Winx. Alors là, je connais absolument pas. Donc pour l'instant,
Il vous reste encore quelques secondes pour voter. Il y a une grosse majorité pour un prénom qui commence par N. Voilà, pour ceux qui veulent. Tandis que le prénom qui commence par L est en dernier. Je compatise. Et salut Adeline, comment vas-tu? Adeline, il te reste quelques secondes pour voter si tu veux voter pour le prénom de la petite fille qui vient de naître dans le Notre Berry de la génération bleue. Entre Sky, Nila et Lazuli. J'ai pas le sondage, moi je comprends pas. Essaie de refresh mon petit Alex. Et c'est trop tard, et c'est Nila qui a été choisie. Alors, vous le voyez pas, hein, parce que moi j'ai un souci. Voilà, c'est ça le sondage qu'il y avait avant, on le voit plus. J'ai changé le lien, j'ai remis le lien. Il veut plus. Il veut plus afficher, je sais pas pourquoi. Donc, à 61%, c'est Nila. Et effectivement, on va relancer une petite prédit, parce que quand on dit naissance en live sur Twitch, nous pouvons faire une petite prédiction. La prédiction, est-ce que jumeau ou pas jumeau? C'est parti, du coup, vous pouvez balancer vos meilleurs points de chaîne si vous croyez dur comme fer, dur bien sûr, surtout dur. Ma bite. Voilà, qu'il y en a deux. Sinon, eh ben, vous votez qu'il n'y en a pas deux. Voilà, sachant que on a voté pour le sexe du premier enfant, maintenant on ne peut pas faire sur les sexes des deux enfants si on ne sait pas qu'il y en a deux. Donc en fait, on parie sur le sexe du premier. Puis ensuite, si hypothétiquement il y en a un deuxième. C'est comme ça qu'on fonctionne à la maison. J'ai voté pour le prénom, ça commence par N. Merci beaucoup Adeline, c'est gentil. En tout cas, n'hésitez pas à refresh si vous ne voyez pas le prédiction débarquer chez vous. Et balancer vos meilleurs points. Il vous reste encore 50 secondes, ça va, il y a le temps. Pour l'instant, il y a une très 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 grande préférence pour non. Un seul suffit, 66%, alors que oui encore, à 34%. Et oui, vous êtes beaucoup à voter. Le 1 seul monté à 80% des votes. Ah, je vous jure que s'il y a des jumeaux, il y en a, ils vont se régaler. Hein. Ils vont se gaver de points. Oh, qui c'est qui a mis 60 000 points? Alors, attendez, parce que sur le 1 seul enfant, il y a eu 108 000 points de balancé. Et quelqu'un a misé 60 900 points. C'est Alex? Mais Alex, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as balancé tout tes points. J'espère, rien que pour ça, j'espère que tu vas gagner en vrai. Parce que, 60 000 points. Voilà, les votes sont finis, vous ne pouvez plus maintenant prédire l'avenir. Donc, nous sommes restés à 81% de enfants uniques et 19% de jumax minimum. 109 000 points pour un seul enfant. 21 personnes ont voté et le plus gros pari, c'est 60 900 points et c'est Alex qui les a balancés. GG à toi. Et le oui pour Déjumax, vous avez balancé 25 000 points, vous êtes 6 et le plus gros pari, c'est 20 000 points et c'est Kiki Sims qui a balancé, c'est 20 000. Voilà. Vous êtes prêts? J'espère pas de jumeaux. Ah oh bah, vous savez qu'en ce moment, je suis abonnée à la paire de jumax. Hein. Il me reste 12 points. Ah la vache. T'en as parlé combien, Pleurnicheur? Attends, toi, tu es la team 1, c'est la team... c'est la team toute seule? C'est la team sous tout seul. On est prêt? Hein, Jamie? Ils sont fous, lui. Il y a la belle vie, là. Sauf que moi, si je ferme trop longtemps les yeux, je dors. Dans tous les cas, GG. Pourquoi? Bah si elle perd. Bon allez, je regarde pas. De toute façon, je vais entendre. Parce que si ça fait juste... Et si c'est le silence, je sais qu'il y en a deux. Si j'entendais... C'est qu'il y en a qu'un. Moi, 1000, mais... Il me reste... J'ai balancé 1000. Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Un seul bébé! Un seul petit bébou est arrivé, une bébouze, une petite bébouzette. Oh, regardez, elle est au boulot, mais en fait, elle y est pas.
Bravo! Ni la aînée, ni la Rimbaud, fille d'Arthur. Et bravo aux prédictions solo. Ce serait dommage que je me trompe pour Alex. Non, elle avait pas lu Marcel, s'il te plaît. T'avais mis double, Marie? Oh merde. Même si le père c'est couillu, bah grave. Elle accouche, elle se tire. Bah ouais, mais c'est mes Sims. Hein. Tu vas la bercer, puis après tu te casses. Ah, tu peux plus aller bosser. Bah elle est censée être au travail, hein, ça se voit. Hein. On le dira pas. Écoutez, au moment où elle est partie bosser, qu'elle elle s'est mise à accoucher, donc on pouvait pas prévoir. Hein. En cliquant sur les autres, tu peux... tu peux... Allez, tu vas aller courir. Tu vas aller courir, Jeannette, et puis après, tu bosseras sur ton application. Bravo et bienvenue, Nila, dans le monde du Note Sauberry. Ma petite... mon unique bébé de cette génération bleue. Voilà, merci, au revoir. On peut pas s'amuser. Nila, ça veut dire bleu. Oui, je crois que ça a une origine indienne, un truc comme ça. D'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires YouTube. Une prédiction sur deux, c'est déjà bien, Samantha, bravo. On peut s'amuser, mais bon, c'est vrai que quand c'est des points de chaîne, certes, c'est gratuit et tout, mais... Ça fout un peu la rage, quoi, tu vois. Un deuxième pour les votes. Attends. Ah oui, c'est bon, c'est la redistribution. La vache. Je suis complètement dans les choux. Bon bah, Alex, tu t'es régalé en point, quoi. Tu t'es régaloxé. Tu vas jeter, plutôt. Et après, bah, te voilà assigné à domicile, mon petit. Tu vas pouvoir t'occuper de ta petite fille. Ah là là, Nila. Trop mignonne. Oui, les squats, c'est vrai. J'ai un chaton qui me dort dessus, c'est pour ça. Regardez-moi cette loque. C'est dur, la vie, maman. Attends. Ah bah, Titi, il est revenu derrière, regardez. Mon petit chaton. Sinon, j'allais le balancer derrière, mais... Ça va? Je te dérange pas. Allez, vu que c'est calme et que le bébé ne pleure pas... Ah, putain, il faut que je me lève. La forme originale du prénom Nila en ingrin s'écrit Nila et signifie bleu, mais également clair de lune en tamoul ou encore saphir clair en... Gujarati. Bah c'est joli, même N-I-L-A, hein, je trouve ça joli. Ah putain, il faut que je me lève. Concentration extrême. Merci Google, bah oui, on va t'appeler Wiki Oniri. Hein. Avant c'était Quentin qui faisait ça, d'ailleurs Quentin il vient plus des masses. Il est parti. Oh, oh la vache, oh c'est difficile d'être le roi de la France. Ah oh, ouais, mes nichons. Regardez mon garçon comme il est beau. Ah, mais oui, mais Jenny, reste pas dans mes pattes, je te l'ai dit 15 000 fois. Tu vas te prendre des coups. Bon! Putain, on voit mon bide et tout. Que bras. Vous êtes prêts pour les squats? Je suis sûre qu'il n'y a que moi qui le suis. Ah, j'ai les fesses toutes trempées, wesh. Ah! Allez, c'est parti pour les squats, on est parti pour 10 squats. Oui, mon château. Mmh, 3, 2, et 1, et 2, oh, c'est dur, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Oh, j'en peux plus. Et 8. Oh, je l'ai fait mal en plus, je crois. Et 9. Et 10.
Qui c'est qui a acheté ça que je le banne? Et il y a Jamie qui est en train de m'attraper le cul là. Mon titou. T'arrêtes toi! T'as vu, c'est pas beau sous la robe, un chaton. Mais regardez ce qu'il y a au-dessus qu'en dessous. Gros plan sur l'univers! C'était cadeau pour Bernard. Alors j'ai montré mes seins à personne qui m'a fait de don. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, j'en peux plus. C'était vraiment pas le jour où il fallait que je fasse ça. Pour le rond bien placé, t'as vu ça? J'ai fait, je suis courbaturée, oh purée. Et les chats qui se disent, elle est complètement timbrée, ma parole. Non, oh, bah tu sais, ils ont l'habitude. Oh! Pour les boobs. C'est naturel en plus, hein, ça c'est. Merci beaucoup, Marie, pour les 100 bits. Oh, on pourrait même appeler ça des boobs. Les 100 boobs. Après, les culs, les fesses, les aubergines, on n'est plus à ça après. Oh, je veux dire qu'on ne t'a jamais fait faire des squats plusieurs fois de suite. Non, il n'y a qu'une seule récompense de squat, justement. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas abuser, comme on dit dans le jargon. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Chwing, 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 super chat, je fais des conneries à tout va et je vole dans les airs, je fais caca par derrière. Surtout sur le linge que je pisse comme un dingue. Et j'aime ça l'odeur de ma pisse. Je pisse partout, ouais, je me la pète. Hein. C'est mieux les chats pour les dons. Ouais, regardez. Regardez ce petit chaton. Si vous ne followez pas cette chaîne, il n'aura pas à manger ce soir. Et là, s'il vient faire des câlins, c'est parce qu'il a faim. C'est votre faute s'il mangera pas. Et son frère, pareil, regardez-le. Triste. Tellement triste et malheureux qu'il doit dormir. C'est votre faute. Heureusement qu'à Kipcop, quand il se coucher, il aura pu se remettre des pouces, j'avoue. Mais non, j'avais pas vu qu'on verrait aussi bien. Bah, elle est très décolletée. Hein. Et encore, j'ai mis un truc en dessous. Parce que sinon, on voit bien tout. Enfin, tout. On voit bien la piste d'atterrissage, comme je dis. T'arrêtes? Personne n'en veut de mon gigot, toujours pas? Il est tout frais, hein? Il frétille encore. Bonne nuit, Martialus! Sous la couette, t'as pas trop chaud sous la couette, chaton? À vendredi, ouais. On va essayer. Des bisous! Ciao, ciao! Ah, et si on est des sucres? On va les bouffer? J'allais dire autre chose, mais bon. Adissa! Bon, arrête, laisse-la bosser! Oh, une petite meuf! Je suis contente, on va pouvoir s'arrêter là. On s'arrête là? Ou vous voulez qu'on fasse un deuxième enfant? Je sais pas, je sens que ce sera un garçon que je préfère pas. Il a combien maintenant? 10... Non, 10 000, c'est rien. L'autre fois, c'était 50. Bah écoute, 55 000. 55 000 euros. Allez, je conçois. Si vous balancez 55 000 bits, il est à vous. C'est un peu moins cher en bits. Hein. Ouais, la tête qui fait. Il mord, saleté. Va. Hein? Saleté. Ah, les grosses quenottes. Ah, les grosses quenottes qui font mal. Pas mordre, non. Il est là. Tête de gland, va. T'as bien la tête de ton père. Ah non, c'est vrai qu'il... Ça va, il est parti. Un deuxième? Non, j'ai de la fièvre, donc j'ai froid. Aïe! T'as encore de la fièvre? Regardez sa tête. Regardez sa bouche. Montre aux gens que t'es méchant. Que t'es un sale chat.
montrant ton vrai visage. Oh ouais. La meuf, elle est même pas été bossée parce qu'elle a accouché. Et ben elle a quand même une promotion, chef de projet. Elle gagnera désormais 10 simflus de plus par heure, soit 73 simflus de l'heure au total, également reçu en bonus 760 simflus et anticonformisme. Mais c'est incroyable ça, c'est génial. Qui c'est qui frappe? Oh, c'est Sœurette. Salut Sœurette. Ah non mais c'est bon là, vous n'avez pas tous appelé et tout. Hein. Eh, c'est incroyable. La meuf, tu fais quoi? Pourquoi tu regardes le... Pourquoi tu regardes le mur? Tu regardes ton père? Oui, apparemment. T'es dans la thème avec un... Ah oui, j'avais même pas calculé. C'est un peu ma robe d'été fétiche. Légère et tout, qui va bien. Hein? Oui, non, je suis pas partie, mince. Zut. Tu ressembles à ton père, t'es beau comme ton père. Elle a menacé de le vendre, mais je menace toujours de le vendre. Sauf qu'il augmente de prix au fur et à mesure, hein? Bah oui, mais c'est du bon gigot élevé au grain, ça, hein? Hein? Y'a pas beaucoup de gras, regardez-moi ça. Le bon bidou, là, regardez-moi ça, puis... Eh, il est bien fringant, hein, regardez ça, il est bien vivant encore, hein? Ah, il sera tout frais, hein? Saleté, va. Allez, hop. Oh non, on voit un deuxième bébé, j'avais même pas vu. Oh... Attendez, elle finit ça. Comme elle met... Attends, elle est repartie, la sœur. Oh, merde. Excuse-la, ta sœur, elle était occupée. Hein. Non, Pomme était quand même 10 fois plus belle que Opaline. Hein. On va pas se cacher. Hein. Ouais. Là, elle taffe, hein, je la laisse taffer. Et salut Rubik's Cube, comment vas-tu? Encore une promo, bah ouais, hein, t'as vu. Mais même sans aller au taf, elle a une promo, c'est un truc de fou. Bonne nuit Samantha! Bonne nuit à toi, des bisous. Je sais pas à quelle heure on a commencé. Alors je sais pas dans combien de temps je suis censée arrêter le live. Parce que comme j'ai pas record. La 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 la. C'est-à-dire que je vais devoir découper. Ah, alors à 38. Ça fait... Dans 13 minutes, ça fera 2 heures. Ah! Ah! Papa est demandé à l'accueil. Nila est en train de hurler. C'est toujours au même moment que je fais des gosses, moi. Ça, c'est un bon petit live dès le matin. Ça fait du bien. Oh, le matin! Ouais, regarde, t'as vu, nous, le soleil n'est pas encore levé. Pour la prochaine journée. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée pour bouffer plein de saleté et la miricorée. Tu bouffes ta brioche bien chimique avec ton Nutella qui pue le fric. Tu vas te bouffer les artères, te faire des ulcères. Mais d'où sort cette ordi machine à écrire? C'est un CC. Non, ça vient de... Via la campagne. Ça vient de Via la campagne, c'est un truc hybride. Si, hein. Tu vois pas sur OBS le temps d'enregistrement? Mais non, parce que ça a pas enregistré. J'ai pas bien appuyé sur le bouton. Et j'ai plus... Si, j'ai encore à boire. À la tienne, Sarah. 5h30. Ah, tu habites dans le turfu, en fait, toi, non? Ça m'étonnerait que tu sois dans le passé. Toi, t'es dans le turfu, là. Ah oui, t'es en Corée, voilà, c'est ça, t'es dans... Rubik's Cube est dans le turfu, là. Alors, il fait beau demain? Qu'est-ce qui se passe demain? Dis-nous tout. Est-ce qu'il se passait encore des trucs pires? Qui est mort?
Parce que bon, moi demain à 5h30 je dors, hein. Ça c'est clair. Arrête, j'aime trop le Nutella. Bah, c'est pas bien ça, le Nutella, c'est pas très bon. J'ai même pas calé, pourtant j'ai le pink. Oh, application mobile terminée. C'est un nom pour cette nouvelle application mobile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des idées de nom d'application mobile? Bien sûr, en rapport avec le Note Soberry ou la chaîne. N'hésitez pas à être inventif, peut-être coquin également. Je vois l'avenir, demain 50 ans, tes chats vont faire le dawa. Super, ben, je vais être contente, tiens. Hein, je vais fermer ma porte cette nuit. Oh, mais regardez-moi ce petit chaton, là. Tu es beau, mon fils. Regarde, oh, tu es beau, maman. Tu es beau. Il y a du beau, je suis pignette. Oh, c'est un beau chacha, ça. C'est un beau chacha, ça. Bon, il est tout noir et blanc, on voit pas grand-chose. Hein. Alors que Jamie va faire le con sur le canapé. Ouais, je te vois. Hein. Sachant que sur mon canapé où il a pissé, ça continue depuis la pisse, alors que j'ai lessivé 40 fois. Adopte un chat. Adopte un Sims. Berinder ou le Tinder du Not So Berry. Je sais pas. C'est pas mal, ça, Marie. Jamie. Si Jamie, je peux l'attirer par ici, comme ça il fera pas de conneries. Il est là. Ah, oh, vous voyez pas. Voilà, il est juste là. Le rat. Le rat est là. Et le grand chaton, il est là. Chouing. Comme j'ai dû déménager la moitié de l'appart, c'est un peu compliqué. J'ai pas rangé. Alors, SimTube pour YouTube, Rainbow Fever. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il est ça, il est descendu. Les petits QFR, Sim Bueno. Alors, bon, SimTube, c'est sympa. Allez, SimTube. Ah, les bébés qui pleurent, quel bonheur. Regardez cette mère indigne. It's Limo Flibo. Libashibela balababa. Ah, la meuf. Et dire qu'elle a une promotion sans aller au teuf, moi j'aimerais bien. Ah, Jeannot, tu pourras passer l'aspirateur. Il y a un lapin. Sans titre.avi. Oh, MG. Luc a répondu des ragots juto sur Charlotte. Mais qui est Charlotte? Vous le saurez dans le prochain épisode de Rainbow Family. Je suppute que ça doit être la fille. Ah non, elle a eu un garçon. C'est qui Charlotte? Guillaume. Ah, il a eu un petit gain. Et nous, on a eu une fille. Qui est Charlotte? Caroline. Ah, c'est Charlotte. C'est la fille de... Une fille de Dahlia. Mais pourquoi ils ont trois noms différents? Qu'est-ce que t'as foutu, Dahlia? T'as copulé avec... Ah bah non, c'était sa fille. Hein? Attends. T'as eu deux enfants. Et ça, c'est... Oh, Dahlia. Bah, Dahlia, t'as été voir ailleurs? Je suis tristesse. Et Melba a eu Nathalie, Alexandra et Stéphane. Et Stéphane a Marina et Arthur. Oh la vache. Je suis pas sûre de la gueule qu'ils ont, ces enfants. Ils me font un peu peur. Nobu. Oh, il chante pour sa fille. Ah non, bien sûr, quand on s'approche, il chante. C'est trop nul. T'as choisi SimTube alors que t'avais... Alors que j'avais pas de meilleures idées.
Mais moi, je prends le truc qui me plaît. C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai pas rien. Ah, parce que moi, tu veux pas des décisions, mais tu sens pas des décisions. La mère indignée passe devant son gosse, elle en a rien à foutre. Hop! Et avant que t'ailles te coucher, ça la baise. Mais c'est pas là la Spiro, Jean-Claude, c'était là-haut. Je comprends rien celui-là. Là. C'est ici l'aspirateur, Jean-Guy. Oui, Jean-Claude, Jean-Guy. D'accord. Pourquoi tu veux pas aller aux toilettes? Attends, va faire une petite sieste en attendant. Parce que lui, il doit faire quelques petites choses. Ça va en faire un deuxième, hein. Est-ce que vous voulez un deuxième enfant? Merci beaucoup, Kayeli. Pourtant, abonne-moi YouTube. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Terminu. L'homme qui mange à côté d'une assiette qui pue, ça la dérange pas. Bon, écoute. Peut-être qu'elle aime bien quand ça sent le rance. Alors, tu vas me faire prendre une douche, tu vas aller pisser, comme ça ton gosse ne sera pas fini à la pisse. Ça, c'est intéressant. Petit chaton. Donc, la plupart du temps, vous avez Titi qui dort là-dessus. Mais vous ne voyez pas ce qu'il est par là. Mais c'est ça, moi, que je vois. Toujours en train de faire son petit dodo, mon petit garçon. J'ai toujours envie d'aller lui faire plein de bisous. J'ai mis le feu au taf Sims en voulant transformer un cristal avec le rayon. Ah merde! C'est pas de beau, ça. Vas-y, réveille-la. Tu vas la monter comme tu montes la jument. Qui a envoyé un baiser timide, qu'est-ce qu'elle veut? Bah, elle reste dans la chambre, Janine. Voilà. Si homme veut faire enfant, toi, accepter. Jameson Quink. Ah, on a eu une petite meuf, c'est trop cool, ça. C'est trop trop bien, les petites meufs. Une petite meuf bleue. J'ai droit à un cymbale pour ma blague nulle. Ton gosse ne sera pas fini à la pisse. Voilà, fallait demander. C'est juste que le temps que je la lise, évidemment. Ah là 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 là. Vous en faites des bêtises, moi je vous le dis. Allez, petit bébé. Bébé. Si t'es champion, appuie sur le bon bouton. J'espère que ça va être une fille comme ça, plus besoin de faire un troisième. Exactement, Sarah. On fera pas l'erreur comme avec le Hulk. Deux meufs, c'est largement assez. Mais je sens pas. Je le sens pas trop. Je pense que de toute façon, là, ils vont faire notre petit bébé. On va voir si elle est en cloque, on va valider la grossesse et on s'arrêtera là, je pense, parce que je pense qu'on doit être sur 2 heures. Il me semble qu'on avait... J'avais regardé à 38 et là il est 40, donc ça fait 2 heures. Grosso merdo, sachant que je vais devoir télécharger le live entier pour couper. Parce que j'ai pas appuyé sur le bouton. Il me semblait que j'avais appuyé sur le bouton, mais pas assez fort. Pas assez fort, mon fils. Allez, faites-moi une fille, là. On veut des meufs, nous. On veut de l'eau verte. De la... Comment ça s'appelle, déjà? La testostérone, c'est pour les gars. J'ai oublié. Pourtant, tu sais que... J'adore les garçons.
Et ben voilà, manger pour quatre. Oups. Oupsie. Œstrogène, merci. J'avais un trou de mémoire de malade mental, quoi. Comment ça? On va encore avoir une petite fille, mais c'est génial. Et ouais. Floopy. Ah, ce lit, il est beau, hein. Souvenez-vous, il m'a fait des émotions quand même, hein, quand je l'ai découvert. Souvenez-vous. Faudrait trop que je revoie ce live, en vrai. Pourquoi vous respectez pas ce que je demande, monde de Sims? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais tu vas où, en fait, là, Jean-Claude? Tu vas aller râler sur la décoration? Ah non, ah, le parquet, il sent bon. Mmh. Ah bah oui, non, il a pas été râlé, il aime bien, maintenant. Allez, fêter cette grossesse. Bon, tant qu'à faire. C'est la joie. Maintenant qu'elle est enceinte, ils peuvent s'en donner à cœur joie, justement. Ce que j'aime bien, c'est dans la musique du crac-crac, c'est toujours le... qui fait très limite porno, quoi. Qui fait... ouais. Enfin, porno. Comment je peux dire ça? C'est pas porno, c'est... Je sais pas. J'arrive pas à mettre le doigt sur le mot que je veux dire. Un petit bébé. Ah, c'est tout. Au moins, vous l'aurez vu aujourd'hui, Tyrion. Ma petite titoune d'amour. Oh, j'ai enfoncé mon sabre dans le rocher. Va dormir, Janine. Oh là là, moi je suis célibataire épanouie. Maintenant je suis heureuse en couple, quelle horreur. En tout cas, c'est là-dessus que nous allons nous quittationner. J'espère. Ah, la petite elle pleure. Bah tant pis, on verra ça dans 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Où on aura peut-être hypothétiquement la naissance. Ouais, j'essaierai de faire la naissance de ce deuxième enfant. Et puis c'est bien, n'hésitez pas à... Bah, si vous avez d'autres idées, à mettre dans les commentaires YouTube d'autres idées pour d'autres prénoms. En tout cas, moi je suis ravie de la petite Nila. La petite Nila qui d'ailleurs est retournée, c'était réparé, puis c'est redevenu des enfants noirs en bas maintenant. Ok. Bon, et ben c'est pas grave, hein. Elle va me pleurer pendant 2 semaines comme ça, en attendant qu'on revienne la voir. Et puis merci à YouTube de m'avoir regardée. Et on se retrouve donc dans bientôt. Enfin, dans 2 semaines, quoi. Des bisous. Au revoir YouTube. Ciao, ciao.